Une réunion d'organisation du circuit de Lorraine s'est déroulée mardi dernier en mairie de Rombas. À cette occasion, M. Raymond Resserre, président de l'association Circuit de Lorraine, ainsi que ses représentants, les représentants des affaires sportives et la police, étaient présents. Le but de cette réunion étant de définir les modalités pratiques du déroulement de la première étape du Circuit de Lorraine 2012, qui partira de Rombas le mercredi 16 mai. Départ fictif prévu à 12h35 du centre-ville avec animation et village, le cheminement dans les rues de la ville et enfin le départ réel de la course au Fonds-Saint-Martin à 12h45 où dès le début de l'étape, les coureurs devront s'attaquer à la côte de Malencourt. Cette première étape d'une distance de 159,5 km mènera les coureurs jusqu'à Neuve-Maisons en Meurthe-et-Moselle après avoir traversé Mars-la-Tour, Chamblay, Liverdun et Pont-Saint-Vincent. L'arrivée finale de ce circuit de Lorraine se fera le dimanche 20 mai à Hayange.